Donc nous sommes ici dans les locaux du BTS Photographie. Vous avez devant vous des étudiants de première année qui sont en train de terminer un travail sur la photographie argentique noir et blanc. Ils sont en train de repiquer leurs images d'exposition. On expose régulièrement des travaux et on va d'ailleurs passer dans le hall où il y a une exposition d'un artiste connu qui s'appelle Franck Hamel, qui est un artiste culinaire. Et on reçoit donc des photographes régulièrement pour faire des expositions, des travaux. Et les élèves aussi exposent leurs travaux. Là, vous avez d'autres salles de cours sur le côté où il y a des ordinateurs et on fait des travaux en numérique. Nous allons passer maintenant dans le laboratoire argentique. Vous allez voir les agrandisseurs. Donc là, on est dans la partie traitement argentique. Comme je vous disais tout à l'heure, ils sont dans cette période-là, mais il y a aussi plein d'autres traitements de post-production en numérique. Ils vont passer aussi à des prises de vue plus compliquées, notamment aussi avec des travails sur Photoshop, avec un monde imaginaire. Et donc là, on a le résultat avec du noir, du blanc, et ça commence à être de mieux en mieux par rapport à celui-là.